Bonjour à toutes et à tous, c'est Mike Tiger pour une autre vidéo tuto sur Trial Evolution. Alors, j'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. J'ai commencé par les pistes les plus difficiles parce que je voulais m'en débarrasser au plus vite. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va y aller mollo, tu sais. On va voir la Vallée de la Mort, qu'est-ce que ça donne. Alors, on a celle-là. 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 Écoutez, je propose qu'on commence par ce qui est difficile, tu sais, on va partir à peu près de là. Parce que les deux autres, c'est plus fait pour la moto qui est juste ici. Là, on va aller avec l'acrobatique. Bon, pour commencer, c'est tout simple, on part en roue arrière et rendu à peu près à la moitié, on flippe vers l'avant. Tout exemple vite fait là. Ok, c'est pas compliqué jusqu'à maintenant, mais moi je l'ai raté. Alors, si on flippe vers l'avant, et voilà. Si on penche vers l'avant, voilà, pas arrière-avant. Et voilà, toujours faire atterrir sa roue arrière en premier. Toujours. Ça va vous aider. Vous n'avez pas aidé. Supprimez votre temps. Et voilà, ça monte seul. Ici, on accélère comme un gros débile vers l'arrière et puis vers l'avant. C'est capable de ne pas toucher le petit poteau qu'on vient de voir ici. C'est ici. Juste sauter, ne pas tomber dans les planches. C'est parfait. Même principe qu'au début, on accélère et on penche vers l'avant. Faut juste que la roue arrière touche le saut. Oups. Comme ça. On enchaîne. C'est pas trop compliqué jusqu'à maintenant. Bon, et voilà. Ça. Suffit de gauger le gaz un petit peu. Oula. Et vu ce que j'ai fait, j'ai maintenu mon équilibre sur la roue arrière. Soit ça va venir avec la tête, vous allez la prendre, puis je dis, hey, je l'ai eu, super. Ici, on clenche vers l'arrière, tout simplement. Ici, ça c'est, quand je peux dire, l'obstacle de la course. On va jusqu'au bout. On se tient vers l'arrière. Le mouvement là, très exagéré, pour pouvoir sauter. Faire un petit... bunny hop si on veut là. Ici on prend tout un élan encore, soit de la paix ou arrière comme vous voulez. Ici au début moi je savais pas trop quoi faire, mais là depuis qu'on le sait, et attention le mur va tomber. Oui, je trouve ça stupide. En tout cas, ici, bon, ici un autre petit attaque de course. Bon, pour ceux qui sont pas habitués, vous voyez la ligne qui relie la climatisée à l'autre. Tenez-vous, tenez votre roue en avant juste dessus, juste après, et faites comme un saut d'apin, comme ça. Vous avez vu comment j'ai fait? On va le refaire. Ici. Dès que votre arrière touche la ligne, flippez vers l'avant. C'est tout simple. Oups, c'était trop vite. Ici, c'est pas compliqué, sinon plus. Et voilà, mes amis. Bon. Alors, on va en faire un autre, on a le temps. Il me reste encore beaucoup de temps. Alors, on peut y aller. Suivante. Travaux en cours. Là, les obstacles commencent à apparaître pour le difficile. Bon, ici, comme ça. Le bateau, je saute d'un coup, mais pour vous le montrer. Bon, premier obstacle. Vous voyez la ligne du poteau ici, là? On commence à lever. Whoop! On saute là. Merde, on va le recommencer. Vous avez vu, j'ai sauté juste au moment
travail. Je le recommence juste pour vous. Juste pour vous, pour tout ça. À cette ligne-là, là. OK? Et ça passe tout seul. Je suis chaud. Sérieux. Si, il faut juste que la roue arrière touche le saut. Hop! Ah, c'était pas un passage. Ok. Comme ça, tout le monde se perd pas jusqu'à maintenant. Là. Oh non! C'était si beau. Je suis rien de compliqué. Si, je pense que tout le monde sait faire ça. Là. Ça va bien. Ici. Ici. Ah, j'ai oublié ça ici. Wow. Ici, si tu bites, on accélère, on saute. Et voilà. C'est ça. Bon, l'obstacle, la course est juste après celle-là. Ça, tout le monde sait comment le faire. Et voilà. Ici. On accélère environ à peu près juste un pied avant les bottes. Ici, on lève. OK? On lève, puis on file vers l'arrière, mais on retourne tout de suite vers l'avant. Non. Normalement, j'aurais pas été censé passer, mais vu que je suis bon, on va se donner. Ici, juste attention au trou que je tombe tout le temps dedans. Et c'est fini. Et voilà, un autre piste de compléter. Ah ben du taux qui tombe en morceaux. Yay! Suivante. Averse orageuse. Ça, tout le monde le sait. Et merde. Et voilà. Et voilà. Ça va être compliqué là-dedans. Saut de lapin. Faites attention parce que l'eau peut être bâtard. Parce que si vous allez dans le tour pendant qu'elle monte, eh bien, Non, je suis chaud de la paix, la barrière de bois là pour vous. Ici, juste avant, il y a deux petits poteaux aussi là. Parce que ma roue est entre les deux poteaux là. Juste avant ça. Hop, comme ça. Poubelle. Oh non! Ok, ça c'est un bug. Comme ceci. Ici on peut soit essayer de le tricher, mais je l'ai jamais fait. Fait qu'on va suivre la piste. Le petit feu. On saute par-dessus le petit feu. Ici c'est ça. Et la ligne d'arrivée. Et voilà, on a fini. C'est merveilleux. Une nouvelle médaille en plus, bonus. Oh, c'est nouveau ça. Et on finit avec leadership. Bon, un petit poisson. Salut. Cimetière de voiture. Dès qu'on a passé le permis pour la moto acrobatique, là, c'est juste des motos. On prend tout le temps rien que la moto acrobatique après ça. Merde. C'est vrai que le début est un petit peu rushant dans celle-là. Toujours vers l'avant. Bon. Et oui, c'est le fameux truc de se stabiliser sur les voitures. Alors, vous remarquez que c'est tout le temps ma roue arrière qui touche en premier de tout sur les surfaces quand on atterrit. Regardez l'exemple.
Ici, si vous voulez faire le casse-cou, vous sautez sur le petit compresseur. Mais moi, je préfère le sauter. Tout d'un choc. Ici, c'est simple, tout le monde sait ça, un petit saut. Et voilà. Saut de lapin. Attention, il avance et il est reculé. Prenez la petite vitesse qu'il vous a donnée. Et voilà. Attention, si la pente est pas mal épique. Et voilà, et voilà, et voilà. Et c'est fini! Suivante! Prochain, l'asile de la marmotte. Bon, ici, il suffit de pencher vers l'avant. Encore. Et encore. Ici, votre petite planche, là, vous allez sauter. Vous ne touchez pas à la skid de ce que je suis en ce moment. Vous ne touchez même pas. Hop. Comme ça. C'est tout bête. Si c'est simple. Ouais! Non, non, non. Si c'est juste de stabiliser ou de le sauter carrément. Comme ça. Ici. Arrière. Vers l'avant. Vers l'avant. Non. J'ai un petit peu de la misère. Excusez-moi. Et voilà. Bon, l'obstacle de la course. Penchez vers l'arrière. Juste après. Ici. Saut simple. Bon. Ça, tout le monde va se concentrer à faire ça. Ou finir comme ça. On peut pas faire ça. Ça marche pas. Il faut que la roue arrière seulement touche la plaque de métal. Exemple. Vous penchez vers l'arrière. Vous clenchez. Et rendu à peu près. Je dirais là. Ici, vous... Voilà. Après ici, vous penchez vers l'avant. Tiens. Ça devrait passer tout seul. Ouf. Ici, je crois que c'était une... Non, c'est pas ça. Ok. Ah ah. Mon obstacle préféré. Tout le monde va se croiser la tête à faire... Non, on l'aurait pas. Il faut faire le compte de ce qu'on pense. Vous voyez? Rendu à celle-là ici, là vous flippez vers l'avant. À part ça, restez en arrière. Maîtrisez l'équilibre juste pour dire que vous l'avez puis ça va passer. Je pense qu'il y a un autre truc plus facile que ça. Bon, ça y est. Alors, c'est bel et bien ça. Ou il y a le choix de pencher vers l'avant, je sais pas si ça marche. Non, ça marche pas. En tout cas. Alors, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo plus tard. On va finir ça. Et voilà! Bon, on finit les égouts, ça va bien. La dernière piste pour cette vidéo, le pont de Trial. Rempli de petits obstacles chiants. Bon, si on saute, on peut sauter par dessus le poteau, tomber sur la caisse, c'est bien. Premier obstacle. Ben, faut pas dire premier obstacle là, on saute les barils. Là, on est dans le premier obstacle. On penche vers l'avant, pas trop, hein. Après, votre moto, vous voyez mon siège, regardez le petit poteau en arrière là. Faites-vous, je vous aligner derrière le poteau et flipper vers l'arrière en accélérant. C'est supposé passer. Oh, comme ça, ok. Après le poteau, juste avant le poteau, désolé. Je suis simple, on penche vers l'avant. C'est ça. Ici, prenez tout votre élan. Vous voyez les petites palettes de bois au bord qui tiennent sur les rails. Vous allez rebondir là-dessus et atterrir sur le tonneau. Comme ça. Comme ça. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai penché vers l'avant juste après avoir tapé les petites planches. Ici,
Roue arrière, roue arrière, roue arrière. Je vais vous le montrer. Roue arrière, roue arrière. Simple de le maîtriser, puis après ça, ça va être correct. Ok. Ici, je vais vous le montrer en une passe. On saute un premier, on saute un deuxième. Et faites atterrir votre roue arrière en premier. Toujours. Penchez vers l'avant, reculez, saute de lapin, roue arrière. Et voilà. Et voilà. Ça, ça va là. Comme ça. Sushi. Oups. Je suis dit là. Prenez tout votre élan et sautez comme un lapin. Technique du lapin. On clenche. Bon, là, on arrive au moment le plus du sud de la couche. Pas là, mais là. Ici, mes amis. Prenez votre attention, pas de sauter puis de rusher. Prenez le premier poteau. Deuxième, à côté de votre roue en avant et là, sauter. Merde. L'atterrir là-dessus, soit en arrière, soit en avant. Soit en arrière ou soit en avant. Et les rebondir là-dessus, roue arrière, qui touche toujours en premier et de tout les plateformes. Peu importe ce que c'est tout le temps la roue arrière qui va aller toucher en premier. Pourquoi? Pour stabiliser et gagner de la vitesse. Oh, le C4. Ouais, je m'en vais trop vite, maintenant. Ça va pas marcher. Ici, on clenche, tout simplement. Tu clenches, mais tu penches vers l'avant. Arrière, avant. Et voilà. C'est fini. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert et un petit commentaire si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et un gros merci à tous et à toutes. Et bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Salut!